Bonjour et bienvenue dans votre magazine Les Coulisses. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de personnes qui œuvrent dans l'ombre au sein du parc zoologique et forestier Michel Corbasson. Vous allez voir que ces personnes travaillent d'arrache-pied avant l'ouverture des portes au public. Mais retrouvons tout de suite Bruno, un soigneur animalier, qui va faire découvrir son métier à Lucas, un jeune stagiaire. Ce matin, on est en train de préparer les plats des animaux, comme d'habitude. Et puis, voilà, pratiquement tout est fait. Du coup, on attaque les préparations pour la journée de demain. Comme ça, quand on arrive, il y a une partie des aliments qui sont déjà préparés, coupés, tranchés, épluchés, prêts à mettre dans les plats. Donc, la voiture, OK. Voilà, on répartit par cage. Voilà. Les outils pour le nettoyage. Et là, il est 7h15, donc on a un tout petit peu de retard, mais on est tellement peu nombreux que c'est un peu normal. Mais on s'en sort pas trop bien, pas trop mal plutôt. Donc, voilà, on prend un petit café et on décolle. C'est comment ton prénom en fait ? Lucas. Lucas, d'accord. Donc tu seras avec moi toi ? Oui. Ok. Ça marche. Et ben on décolle. Et bien là, on va aller faire le secteur dont je m'occupe. Parce qu'en fait, le parc il est divisé en 4 secteurs. Je vais te montrer le boulot qu'il y a à faire dans une cage. Comme ça, après, je te confierai une cage. Je vais t'en montrer deux. Et après, je te confie une cage. Et comme ça, tu verras le boulot qu'il y a à faire. Voilà, donc ici on est dans le début de mon secteur, toutes les cages qui sont ici le long de la route, voilà, c'est le secteur 3 et c'est ce qu'on appelle le secteur des endémiques. Donc ce matin on a préparé nos plats et du coup je les ai rangés un peu par cage. Et comme ça quand j'arrive au niveau de mes cages, je sais quel plat correspond à quelle cage, ça nous fait gagner un peu de temps. Alors par ici... Ça va faire 10 jours maintenant, donc il faut vérifier chaque fois que tu passes. Tu sais qu'il est là, donc tous les matins, tu vérifies qu'il soit toujours en train de couver. Bon, tu vois, apparemment, il est tranquille sur son œuf, il n'est pas stressé, il est juste en train de nous observer pour être sûr qu'on ne va pas venir lui faire du mal. Là, on va commencer par la cage des colliers blancs et des notous. Dans cette cage, il y a 5 colliers blancs et l'autre côté, il y a 2 notous. Donc là, tu vois, la cage est quand même relativement propre. On va juste y mettre un petit coup de râteau comme ça. Je te montre et puis tu feras la cage d'à côté. D'accord ? Voilà, il faut que ta cage elle ait un aspect quand même soigné, propre. Voilà, on voit que ça commence à verdir. C'est un développement d'algues et de bactéries. Donc un petit coup d'éponge partout pour flinguer tous ces petits microbes. Alors je referme et voilà, ils sont tranquilles jusqu'à demain. Alors on essaye de nourrir, tu vois, avant 10h. On fait tous ces petits travaux-là avant 10h parce qu'à 10h c'est l'ouverture du parc. Donc le public arrive, il faut que voilà, tout soit prêt pour quand le public va passer dans le parc, dans les allées. Ton eau, elle est propre, ce ne sera pas la peine de t'en occuper. Je la laisse comme ça ? Là, tu la laisses comme ça, c'est bon. Tu vois, elle n'est pas très, elle est pas verte comme c'était à côté. Toi, donc le bassin, là, les notous, ce n'est pas la peine. Par contre, tu vois, il y a des petits morceaux de fruits. Oui, ce qui fait voilà, que tu mettras un petit coup de râteau. Tu mettras un petit coup d'éponge dans ton plat, ici, dans les supports de plat. Le support de plat, c'est ça, tu vois. Et y en a, sur l'autre, il n'y en a pas ? Et sur l'autre, non, il n'y en a pas, mais par contre, parce qu'ils ont un seul plat ici qui est là. Ah oui. Okay. Eux, ils ont un petit peu de grain en plus, mais ce n'est pas tous les oiseaux. Je passe quand même un coup sur l'autre. Voilà, tu mets un petit coup, parce qu'ils en ont quand même envoyé là-bas. Ouais. Un petit coup dans les deux supports de plat, et tu remets ton plat propre à la place. OK ? Un coup de râteau, un coup d'éponge, tu mets le plat, et c'est déjà pas mal pour ta première cage. Hop, 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 hop ! On va changer le plat. Mélange, je sais pas, il y a l'air d'avoir du pain mouillé avec des bouts de carottes et des petits bouts de. Pour l'instant, oui, c'est intéressant. Et après, on verra pour la suite. Et de participer aussi, c'est bien. On voit ce qu'ils font et leurs activités tous les jours. L'eau, c'est bon, la nourriture, et on a nettoyé le sol donc. C'est bon pour les oiseaux.
Comment ça se passe? Ça y est, c'est bon? Là, tu viens de vérifier. Ok, ça marche. Donc un bon petit coup de râteau. Voilà, ok. Les supports de plat, c'est bon, c'est distribué. Eh bien, écoute, c'est bon. Tu connais la base? Ouais. Tu connais le travail quotidien? Maintenant, il faut répéter ça. Cage après cage. Il y en a combien? Il doit y en avoir une cinquantaine. Non, nous, c'est un petit secteur, on en a une trentaine. On va aller à notre laboratoire, en fait. On va accueillir bénévoles de l'association ornithologique de Nouvelle-Calédonie qui vont, en fait, je vais les former pour pouvoir réhydrater et gaver des oiseaux marins. Okay. Pour, en fait, pouvoir les relâcher, parce qu'il y a une période de l'année où il y a tous les jeunes qui sortent du nid, qui sont souvent attirés par la pollution lumineuse, donc les lumières de la ville. Et donc, pour pouvoir les relâcher et qu'ils aient des chances de survie, on les réhydrate, on les gave, en fait, on leur donne un petit coup de pouce. Ok. Donc voilà, les voici, ils viennent d'arriver. Enchanté, bonjour. Michel. Bonjour, donc Oriane. Enchanté, Michel. Ça va? Oriane, voilà. Bon, bah allons-y, on va se diriger vers notre laboratoire, infirmerie. En fait, on en a eu un qui avait une patte qui était... Qui était un peu... Non, en fait, elle ne répondait pas, quoi. Elle était... c'était pas paralysée, mais il ne bougeait pas la patte et tout ça. D'accord. Donc, on l'a gardé une semaine et il est reparti ce week-end. Okay. C'est un plus fin, mais moi aussi, c'est un plus fin. Ah bon. Donc là, on voit chlorure de sodium, chlorure de potassium, donc ringer lactate, bébrone. Donc c'est vraiment les minéraux essentiels. Okay. Et le glucose, donc ça c'est le petit coup de pouce quoi. C'est vraiment du sucre. Hein. C'est le petit sucre supplémentaire. C'est le petit sucre supplémentaire. Si vous voulez qu'il y ait une personne qui le tienne pendant qu'il y ait, y ait l'autre qui l'ouvre le bec, c'est plus facile à deux. Moi je veux bien le tenir. Donc je vais repréparer une petite seringue. Bah, il est en train de s'en aller. Oui. Ah. Oui. Encrassé. Donc voilà. Dis donc. Ouais. Oui, ben... Il y en a qui râlent, oui. Ça. Prends bien à la base pour pas lui faire mal, pour pas casser les mandibules. Donc vas-y, montre bien. Attends, montre-moi bien, que je puisse voir en même temps ce que tu fais. Ouais. C'est pas évident. Attends, pour tenir, tu veux que je te le tienne au passage? Comme ça, tu regardes bien sur la... Vas-y, lâche. Je vais te le tenir comme ça. Tu te concentres sur le truc. Vas-y. Passe bien à côté. Que c'était voilà. Mouvant. Tu essayes de tout enfoncer jusqu'à ce que tu touches. Hein. Voilà, là, c'est le bon. Vas-y. Ça ira. D'accord. Boire un petit coup, c'est agréable. Et là, il faut de maintenir... Donc là, voilà. Ben, là, c'est bon, il a avalé. Hein. Je l'ai vu, il a avalé. Quelqu'un veut gaver? Les petits poissons? Allez, petit viens, j'essaie. Allez. Et... Premier à la base du bec pour être sûr de ne pas lui faire mal. Et waouh! Ouais, ça fait mal, c'est pointu, hein? C'est pointu, ça pince. Et quoi, je rentre là, comme ça? Tu écartes. Wow. J'ai trop peur. Tu écartes. Lui. T'inquiète pas, lui, il ouvre le bec pour manger, de toute manière. J'ai trop. Voilà. Et cool, cool. C'est pas évident de trouver la. On a peur de faire mal, mais le truc, c'est que si on n'est pas assez ferme. Ouais, on n'a pas les cartes. Et là, je lui mets. Oui, là, tu lui mets et tu enfonces. De toute manière, ça peut pas passer par le... Voilà, tu enfonces, vas-y, c'est bon. On ferme le bec. Et... On le laisse. Attention, sans boucher les narines, il a les narines assez basses. Okay. Il va pas... Non. Et voilà, celui-là aussi, il est prêt. Ok, mission accomplie. Et voilà, il est bien vif. Hein. Oui, celui-là, il est blessé. Merci. Ah oui, en effet, je l'ai. Et voilà. Donc, je vous ai montré le principal. Oui, tout à fait. Nous avons sauvé des puffins. On leur a donné toutes les chances pour repartir. Allez, en route pour notre vivarium. Donc, nos iguanes. Tu peux rentrer avec eux, ils vont pas t'attaquer. Ils vont pas me manger. Ici, comme dans toutes les autres cages, tu vois, tu vérifies que tout est propre, voilà. Ils me donnent pas envie de... Enfin, j'ai un peu peur. Ah ouais. Tu crains un peu les reptiles? Comme ça, oui. Bon, quand tu iras dans le lagon, faudra faire gaffe, tu vas avoir des tricorillés comme ça.
Donc voilà, ça c'est des saisies en fait, des trucs qui ont été, enfin des animaux qui ont été récupérés aux douanes, par les douanes, quand il y avait des trafics d'animaux. Ceux-là ils viennent de Tahiti par exemple, au moins pour l'un d'entre eux, récupéré à la douane de Tahiti. Et donc comme à Tahiti il n'y a pas de parc animalier, il est arrivé ici et il va finir ses jours heureux au parc. Là, je vais te montrer les deux tortues, donc tortue d'Hermann. Il y en a une là-bas. Bon, ce n'est pas des tortues qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie ou qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Hein. Souvent, c'est des saisies ou du trafic d'animaux. Ça a été récupéré par la douane ou bien par des animaliers qui en introduisent illégalement. Donc après, nous, bon, on les garde, on les stocke et puis on peut éventuellement les montrer au public. Et il y a d'ailleurs beaucoup de tortues aquatiques, tortues d'eau douce. Et c'est de la tortue de Floride, tu vois, qu'on peut trouver chez les animaliers. Quand les gens ont bien joué avec pendant un an ou deux, ils en ont marre, ils les balancent dans n'importe quel caniveau et tout, puis ça finit dans tous les petits criques, dans toutes les petites pièces d'eau. Et en fait, on est envahi par la tortue ici. Elle a la bonne température, elle a tout ce qu'il faut pour bien se développer. Bon, ça, elle est tellement habituée. Tu sais, quand on arrive avec le plat, elle vient nous attendre à la porte, comme n'importe quel animal. Comme tu vois, ça, elle sort son petit œil, elle. Et les petits morceaux de viande, c'est pour elle. Voilà pour nos petites tortues terrestres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ? De l'école Gustave Moucher. Oui, ok. Donc vous êtes en visite libre ? Oui. Ouais, ok. Allez, bonne journée, Tata. Mais sinon, en général, les casous sont pas très peureux. Ouais. Ils peuvent même être curieux et quand ils entendent du bruit, venir voir. Bon appétit, monsieur. En fait, on recrée la situation où le corbeau veut manger un ver de bancoule. On va les voir normalement se rapprocher des morceaux de viande pour essayer de les attraper. Alors salut tout le monde, là on se trouve au parc forestier et on va aller rejoindre le groupe des soigneurs qui sont en train de préparer la nourriture pour nourrir les différents animaux, les oiseaux et les macaques qui se trouvent au sein du parc. Allez, suivez-moi. Salut. Ça va ? Salut Steve. Bonjour petit stagiaire. Ça va petit stagiaire ? Salut Michel, salut. T'as bien ou quoi ? Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Donc les bananes coupées qu'on fait en général tous les jours. Ce qui nous permet le matin, comme on arrive assez tôt, de nous faciliter un peu la tâche. Donc les bananes, on les coupe en morceaux pour l'ensemble des carpophages et des notours. Des pigeons. Il faut découper. Eh ben, il faut pas que ce soit trop gros non plus. Hein, okay. Si tu fais pas, tu vas pas couper des rondelles parce que ça va pas passer. Enfin, okay. Si, encore que les notous, ils peuvent, mais ils sont pas habitués au final. Mais en général, tu vois, là, les bananes, il n'y a pas de reste. C'est ce qu'ils adorent, les. Oui, c'est des bons élèves. Ils mangent bien. La cantine est bonne. Et admettons qu'il n'y ait pas de bananes, comment vous faites ? Ah ben, on donne pas que de la banane, hein. On rajoute aussi de la carotte cuite, de la patate douce, de la pomme de terre. Donc bon, on peut toujours se rattraper sur d'autres choses. T'as vu, je commence à être bon là. Ah, là, je vois que tu t'améliores là. Ouais. Ça va de plus en plus vite là. Ouais. En plus, ça a bientôt fini la boîte, punaise. Ouais, ouais. Et bien, pourquoi tu ris toi ? Ben, elle sourit parce qu'elle est contente. Ah, parce qu'elle travaille moins ? Ben non, parce que faut bien qu'elle surveille. Hein, faut bien que. Oh, pas de menace. Ok, chef, paillasse nettoyée. Ok, impeccable. Bon, vous avez vu, hein, c'est du taf le matin ici. Hein. Ça, voilà. Ok. Et voilà. Ok, Makai. Bon, tu fais attention, hein. Ouais, c'est dangereux. C'est un boulot d'homme, ça, quand même. Hein. Ok. Quand même automatisé, hein. Vas-y, vas-y. Pas dur, mais il faut se lever tôt, quoi. Et faut envoyer la cadence le matin. Alterner les fruits. Bon, ben là, je pense qu'il va falloir qu'on aille nourrir les animaux après. Donc, je pense que ça va être plus sympa, quoi. Voir les singes, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça, tu veux ? Donc voilà, je fais des petites tranchées pour que
le produit s'introduise bien, okay. Voilà, s'introduise bien dans la banane et que le singe, lorsqu'il va manger la banane, mange forcément le produit qu'il est avec. Ok. Ça, c'est des petites techniques que vous apprenez? Oui, parce qu'ils arrivent, le problème avec les singes, c'est qu'ils sont très intelligents, ils arrivent à détecter le moindre médicament qu'on essaye de leur mettre. Donc on a des petites astuces comme ça, mais bon, elle devient quand même assez accro pour son petit Prozac. Donc nos singes capucins, c'était très âgé. Et donc on a une d'elles qui est morte l'année dernière. Okay. Et donc celle-ci s'est retrouvée toute seule et elle a eu des tocs. Okay. Donc des tocs qui ont fait qu'elle s'auto-mutilait et qu'elle a perdu donc une partie de sa queue. Bon. Et donc on la met sous Prozac malheureusement parce que pour la calmer, qu'elle soit moins stressée et qu'elle évite de s'auto-mutiler en fait. Okay. Et pour leur état de santé psychologique et physique pour le coup, parce qu'elle s'auto-mutilait, elle a quand même perdu. En fait, elle s'est faite une plaie à la queue, on a dû couper la queue tellement que c'était devenu grave. Et donc pour éviter qu'elle s'auto-mutile de nouveau, on lui donne un antidépresseur. Et ça a été prescrit par le vétérinaire? Oui. Okay. Béa, c'est ici la poubelle? C'est ça, oui. Ça, là. Et là, on est quand même à Nouméa et c'est vraiment super, quoi, d'entendre le chant du cagou, quoi. On fait quoi, on charge la voiture? Bah, elle a tout chargé. T'as tout chargé déjà? Non. Ouais, voilà. Alors, ça c'est tout ce qu'il y a de près? Le singe et les grues, ouais. Allez, c'est parti, vas-y. Montre-moi le chemin. Le grand chef. Ok, bah voilà. Je sais pas, c'est je vais faire, hein? Bah, tu peux, oui. Non, c'est pas, ne cherche pas, parce que la voiture elle est dans un état, c'est pas la peine. Ok. Donc là, on arrive au niveau de la cage des attelles. J'ai eu un petit clignotant et tout. Oui. On va sortir du seau. Et pourquoi on commence par ici, Marianne, d'abord? Parce qu'ils ils ont plusieurs repas. Comme disait Marianne, il y a plusieurs repas dans la journée. Ouais. Donc on va essayer de répartir la ration alimentaire journalière sur la journée. Donc ils vont avoir deux repas. Un repas ce matin à 7h et un autre à 13h. Qu'est-ce qu'il lui donne, Ariane? Bah, en fait, c'est une petite fifi qui est toute seule maintenant. Elle a eu des gros problèmes de stress. Donc du coup, le matin, elle a un petit médicament qui la détend. Okay. Et qui lui permet de... Voilà, elle adore. Voilà, ce matin, elle a son petit repas banane et puis après, elle aura son repas au même titre que les attelles. Pour occuper des animaux la journée, tu as des enrichissements sociaux, donc structurels. Tu as des enrichissements cognitifs, donc où on va leur demander de réfléchir pour aller récupérer la cacahuète qui est cachée au fond du bambou et compagnie. Ah, donc ça les occupe, ça permet de les occuper et qu'il n'y ait pas de comportement stéréotypé. Okay. Donc que l'animal se sente bien, qu'il ne se sente pas malheureux. Bon, après les attelles, c'est des animaux qui en captivité, qui s'intègrent facilement. Okay. Voilà, ils se font bien la captivité, en plus eux sont tous nés en captivité. Oh, okay. Donc, ils viennent de Nouvelle-Zélande. Ils viennent de Nouvelle-Zélande. Ouais. Allez! Ah, ils comprennent, hein? Allez, allez! On n'a jamais assez de temps pour tout finir, pour tout faire. C'est un métier qui est passionnant. Si tu fais jamais la même chose chaque jour, ouais. À part le nourrissage, évidemment, et l'entretien, mais... C'est un métier qui est intéressant parce que tu touches à tout. Tu touches à tout. Tu peux faire du manuel, tu peux faire... Voilà, tu peux faire du medical training si tu as envie, mais bon, ça, faut avoir du temps, mais tu peux faire énormément de choses. Voilà. Ça va, c'est pas trop petit, les gants, là? Non, ça va, c'est bon. Ok. Et
D'ailleurs, ça a dû rester un peu trop près d'une fois. Il manque des crocs sur ce... Il manque quoi? Il manque des crocs. Ils ont croqué? Mais je pense que la boîte de gants, ils ont dû la laisser un peu trop près un jour et... Ah, faut rien laisser à côté d'eux, quoi. Ah, non, même pas le cadenas, parce que le cadenas, ils partent avec après. Ah ouais, carrément. Et pour récupérer le cadenas, bah, tu peux attendre. Hein. Attends okay. qu'il lâche. Attends voilà. qu'il lâche. N'en reste pas, j'ai des choses. Là, ça sent plutôt bon. Ça sent vraiment super bon, là. Mais voilà, quoi, ça fait partie du métier. Et voilà, là, on est vraiment dans les coulisses, quoi. Parce que ça, les gens, ils le voient pas forcément. Mais voilà, tous les jours, les soigneurs le nettoient. Et c'est vrai que pour le bien-être des animaux, il faut nettoyer correctement. C'est la prévention des maladies. Ah oui, c'est une bonne hygiène des cages, c'est vraiment le meilleur moyen pour prévenir les quelconques maladies, parce que forcément une cage sale, il y a une prolifération de bactéries. Ok. Et toute prolifération de bactéries peut causer des maladies chez les animaux. Ah ok. Ben là il est 7h30, le parc il ouvre à 10h15. Ça va, on est dans les temps? Oui. Il faut que tout soit nettoyé avant quelle heure? Nettoyé et... Au niveau du nettoyage encore, c'est pas très grave si on n'est pas sur l'ouverture, mais il faut que tous les animaux soient nourris avant 10h. Ok. Donc le but en fait, c'est qu'ils passent plus de temps à chercher leur nourriture, parce que dans la nature, ils passent plus de 70% de leur temps à la recherche de nourriture. Pour reproduire ça au plus possible, on leur cache leur nourriture un peu partout, et aussi pour être sûr que... Tu caches pas là-dedans? Si, si. Pour être sûr que tout le monde puisse avoir à manger aussi, donc au moins 7 tas. Et on va voir s'ils vont trouver. Et c'est quoi la poudre? Là, c'est des croquettes spécifiques pour des espèces de singes du Nouveau Monde. Ok. Voilà. On va sortir et on va les relâcher. Ok. Allez, c'est parti. Stagiaire maintenant, je suis plus petit stagiaire. Ah, petit stagiaire, oui, oui. Bon, on va aller voir les autruches. Pourquoi il y a marqué danger? Parce que c'est un animal qui peut être dangereux. Les mâles sont assez agressifs. Donc je suis assez privilégié quand même. Passe au-dessus, ouais. Tu vois, regarde, il est déjà couché là, il nous attend. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une parade là? Ouais, c'est un peu de l'intimidation. S'il pouvait nous en coller quelques-unes, hein, je pense que... Avec son bec, il nous tape. Le bec, c'est pas trop ce qui est le plus méchant, c'est surtout les pattes. Ah oui. Parce qu'ils ont un unique ongle, et celui-là, il est relativement dangereux. Donc tu vois, on rentre pas avec eux. Et comme notre femelle elle n'est plus de ce monde, okay. On les a séparés. Pour qu'ils soient déjà plus à l'aise. L'autre est plus tranquille, il peut manger tranquillement, lui c'est pareil. Ok. Donc voilà, donc là t'as deux autruches, faut que tu coupes la deux en deux. Il va pas m'agresser là? Non, il est assez loin là, ça va. Oh. Vas-y, c'est bon. Ok. Donc là, il va venir, puis il va nous suivre. De toute façon, il va nous suivre tout le long. On a une grande tige avec une fourche, ouais. Si tu veux. C'est du moment que tu lui bloques le cou, il sait plus trop quoi faire, quoi. Ok. Voilà. Si vraiment tu veux être tranquille, quand t'as des manipulations à faire sur une autruche, ou ouais. Si t'as besoin d'entrer et d'être tranquille, si tu lui mets une chaussette sur la tête. Tu okay. mets un linge, et là... Un peu comme les chevaux. Voilà, ils bougent pas, ils sont pas stressés, et tu peux faire ce que tu as à faire, le temps de... Voilà. Ok, c'est une grosse poule. Ouais. Ouais, c'est le plus gros oiseau du monde qui ne vole pas. Ouais.
Bon, on va aller voir l'autre. On va aller, voilà, on va aller nourrir l'autre. On va aller nourrir l'autre. Mais parce que pourquoi que lui? Ouais. Voilà, donc lui, voilà, il vient taper dedans. C'est bizarre de les voir de si près comme ça quand même. Bah, c'est pas le plus. Lui, il est pas méchant, pas trop méchant. Mais tu vois, ce qu'il faut faire attention, c'est la griffe en bas. Ouais. Tu vois, ils ont une unique griffe. Ouais. Celle-là, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Ok. Enfin, les coups de bec, c'est pas. Bon, ça fait pas du bien, mais. Ça va. Ah, voilà, là, c'est en train de se remplir, là, il fait la poche. Ouais, tic, tic, tic. Et puis ça. Ah. Tu, hop, hop. Ah, après, ça descend. Ça descend tout du coup. Ouais. Ouais, il a des. Voilà, ton copain. T'es gentil, mais on... hein. Attends. Voilà. Alors, si t'es allergique, la poussière de... hein, c'est génial. Pouf. Pouf. On fait quoi, on y va? Ouais. C'est parti. C'est la fin pour nous? Et pour toi, bah, c'est la fin, ouais. Je suis contente de me débarrasser. Il n'y a pas la vaisselle à faire? Ah bah si, mais si, hey. Oui. Eh, hey, t'es bien toi, t'es un bon stagiaire. Hey. On a bien compris. Bien compris. Alors, bah allez, bah, on retourne faire la vaisselle alors. Ouais. C'est parti. Ouais. Eh oui, parce... Voilà, notre balade au parc forestier arrive à sa fin. J'espère que vous en savez un peu plus sur ce morceau de forêt au cœur de la ville. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet www.nctv.nc. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt.